Bonjour les amis, je voulais rendre un vibrant hommage et remercier nos vaillants préfets qui ont bossé tout le week-end pour sauver des vies et nous préserver face au très méchant virus qui nous agresse en permanence. Il faut dire qu'ils n'avaient pas le choix. Castex, il les avait mis au pied du mur vendredi, notamment les préfets de la Gironde et des Bouches-du-Rhône, là où il paraît les clusters et ils avaient encore redémarré. Il fallait faire quelque chose, surtout que la situation est grave. Castex, il avait dit qu'il avait vu vendredi pour la première fois un signe sensible du nombre d'hospitalisations. Et oui, là, on a affaire à un virus encore plus sournois que les autres. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'hospitalisés, il n'y a pas de morts, mais il y a quand même une épidémie, une deuxième vague vachement grave. Olivier Véran, qui est un cador, il nous a, médecin quand même, hein, il nous a annoncé que dans 15 jours, ça allait morfler dur. Et l'OMS, qui sont encore plus des cadors, ils nous ont dit que la deuxième vague serait terrible. Moi, je croyais qu'elle avait commencé. Non, 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 non. La deuxième vague serait terrible en octobre, novembre. C'est donc pour ça que nos préfets, ils ont bossé. Alors, à Bordeaux, hein, la préfète de Gironde, une femme, Fabienne Bucciot. Alors, excellente, hein, parce qu'avant, elle était à Calais. Et je me rappelle, à Calais, les migrants, ils avaient mis le feu à l'endroit où ils étaient tous hébergés et tout. Bah, vous voyez la sensibilité de la femme, parce qu'un homme, il aurait dit, qu'est-ce que c'est que ces conneries, on les héberge, ils foutent le feu dans les camps, on les accueille, c'est quoi ce bordel? Bah, elle, Fabienne Bucciot, elle avait pas dit ça, elle avait dit que c'était une coutume et qu'il fallait comprendre ce geste comme une coutume locale qu'ils avaient implantée ici. Vous voyez, on voit quand même que les femmes, elles amènent un plus dans certaines fonctions. Donc Fabienne, elle nous a dit donc que le football, ah bah les Girondins, de 5000 personnes à 1000 personnes dans le stade. Pas de réunion de plus de 10 personnes, c'est terminé. Elle a dit qu'il fallait, elle n'a pas annulé les mariages, hein, elle n'a pas été comme Muselier, mais elle a dit qu'il fallait les reporter. C'est pas pareil, hein, vous avez réservé, vous avez invité 100 personnes, compris leur billet et tout. Il faut reporter les mariages, 10 personnes, pas plus. Alors, plus d'alcool sur la voie publique. Et oui, cet enfoiré, vous savez pas, cet enfoiré de virus, il se met dans le verre, mais dans le verre quand vous buvez de l'alcool, quand vous buvez de l'eau ou un jus d'orange sur la voie publique, il n'est pas dans le verre. Mais par contre, l'alcool, là, il est dans le verre. Donc, plus d'alcool sur la voie publique. Et alors, pareil, un truc, plus le droit de consommer debout dans un bar. Bah oui, c'est pareil. Le virus, il est sur le bar, mais si vous consommez assis à la table, là, vous avez la paix. Donc, vous voyez, il est sournois, cette sale bête. Alors, quelques heures après, il y a un autre vaillant préfet de la région PACA, Christophe Miremont. Alors oui, parce qu'il y a les préfets de département, je ne savais pas, mais il y a les préfets de région aussi qui sont plus forts que les préfets de département. Bah, on en nomme tellement des préfets, il y en a tellement qui sont sans affectation, qu'il faut les occuper. Alors là, le Christophe Miremont, 27 communes de la région PACA masquées. Je ne sais pas s'ils ont tiré au sort, enfin, ils ont trouvé des trucs. Allez hop, la muselière pour 27 communes supplémentaires. Et puis les vieux, alors lui, il a pris aussi des mesures. Plus humains que lors du confinement. Les vieux, on les laisse plus, on les laisse pas encore crever tout seuls dans les EHPAD comme on a fait pendant le confinement, mais pas plus de 2 personnes par jour, hein, qui visitent. Alors on ne sait pas si c'est ensemble, quand il y a 2 personnes, ou c'est une personne et une personne après. Pas plus de 2 personnes par jour. On ne sait pas si les personnes elles peuvent visiter plusieurs fois ou pas, mais pas plus de 2 personnes par jour. Alors, il y en a d'autres, hein, des préfets qui se sont mis au boulot et pourtant, ils n'avaient pas été nommés, par exemple, le préfet du Nord. Alors, lui, hein, il a été dur aussi. Hein. Pas de journée du patrimoine, terminé. Pas de fête des voisins. Et lui, il a trouvé un truc, alors vachement bon le mec, hein.
Masque obligatoire à 50 mètres autour des établissements qui reçoivent du public. Moi, je croyais qu'il y avait les distances barrières. C'était, je croyais que c'était 1 mètre, 2 mètres et tout. Là, le virus, il est tellement dangereux qu'on fait une nouvelle distance barrière de 50 mètres, rien de moins. Puis alors, il y a celui aussi de l'Ille-et-Vilaine. Alors, c'est une femme, Michel Kiry. Non, non, vous n'allez pas me faire dire Kiry le clown. C'est trop facile. Moi, je ne tomberai pas dans ces jeux-là. Donc, Michel Kiry, donc préfète de l'Ille-et-Vilaine. Alors, elle, les bar fermé à 23h. Et Alan, ouais, bah, terminé. Parce que le virus, dans les bars, c'est pareil. Hein. Disons, à partir de 23h, il est plus dangereux. Mais avant 23h, il peut, vous voyez, il change de truc et tout. Donc, bar fermé à 23h. Voilà, pas de risque. Alors, parce que, et il faut savoir, hein, le virus, là, j'ai vu un mec qui m'a alerté, là, alors je vous le lis, hein, je sais pas son nom, mais il m'a expliqué que le virus, il est sournois. Il ne fréquente que les clusters. Il attaque les jeunes dans les fêtes, mais il attaque pas les spectateurs du Puy du Fou, vous voyez, pour mieux tromper l'ennemi. Hein. Alors, il attaque les baigneurs sur les plages, mais il attaque pas les sans-abri. Alors, sur certaines plages, il est dangereux de 21h à 7h du matin, mais il est plus dangereux dans la journée. Il s'attaque aux petits commerces, mais il fout la paix aux consommateurs des grandes surfaces. À certains endroits, il est contagieux, mais il n'est pas contagieux à d'autres endroits. Il peut être contagieux en semaine à certains endroits, mais il n'est pas contagieux le week-end. Et à d'autres endroits, c'est encore le contraire. Puis il est tellement sournois, vous voyez, le virus, que quand il y avait 1000 morts par jour, eh ben, il n'était pas dangereux parce que le masque, il n'était pas obligatoire. Alors que maintenant qu'il n'y a plus d'hospitalisation et maintenant qu'il n'y a plus de morts, c'est là qu'il est le plus dangereux. Et c'est pour ça qu'ils sont obligés de nous demander de porter le masque. C'est pour sauver des vies, c'est pour préserver l'avenir et c'est surtout pour éviter le reconfinement qui foutrait en l'air l'économie française, bien évidemment. Donc je veux vraiment remercier du fond du cœur tous nos préfets, tous nos ministres, tous les élus qui 24 heures sur 24 sont sur le pont pour nous sauver et nous empêcher de tomber malade et de mourir. Encore merci les gars. Bonne journée.